quand les petits cadeaux? Oh, plutôt après le repas, non? Bah non, on se sauve maintenant. Moi, j'ai tiré au sort Damien. Joyeux Noël, Damien. Oh non, mais non. Allez, allez, s'il te plaît. Bon, ok, mais je te préviens, moi, je t'offre le mien à la fin du repas. Hein. Finalement, moi aussi. Hein. Ouais, c'est bien, moi aussi. Toi aussi. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est une blague. Non, c'est un bouquin. Attends, c'est un super auteur, tu vas adorer. C'est vrai, c'est un super auteur. Ouais. Attends, t'es sérieux, là? Bah non, mais attends, c'est intéressant, ça pose plein de questions. En tout cas, moi, j'ai ma réponse. Tu peux me passer un grand couteau et une planche en bois, s'il te plaît? Bon, tu vas pas faire ça devant nous, quand même. Attends, on va pas vous forcer, c'est pour nous. Moi, ce que je propose, c'est quand même que t'ailles dans la cuisine, parce que là, ça prend un peu de place. Ouais, ok, on dérange, hein. Bah, okay. J'ai l'impression, ouais. Alors, non, mais il faut que tout le monde se sente à l'aise. C'est quoi? Moi, je vais me mettre à l'aise. Hein. Hop, je vais me griller une clope, hein. Ah non, 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 pas ici, c'est bon. Attends, ça non plus, on peut pas? Écoute, je t'accompagne. On sort? Ok. Mais juste pour info, en fait. Après, on fait quoi? On bouffe dehors ou... Arrête, viens. Mais c'est vrai, quoi, la souffrance animale, on en parle. Ça va, on peut bouffer autre chose que de la viande, non? Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. J'ai réduit ma consommation, je fais plus attention. C'est pas réduire qu'il faut, c'est arrêter. En fait, on parle d'être vivant. C'est comme si tu me disais, je tue des gens, mais j'en tue moins qu'avant. Tu sais, c'est quoi ton problème, en fait? C'est qu'à chaque fois, tu pars dans les extrêmes. Excuse-moi d'être humain, hein. Et voilà le travail. Hop. Non mais c'est vrai, la charcuterie c'est très mauvais pour le cœur. Une tranche absorbée, c'est une artère de boucher en plus. Tu peux me laisser vivre un petit peu? Je peux passer une bonne soirée, non? Ah bah voilà. Là au moins, j'ai faim. Merci. Et en plus c'est du fromage. Et au moins le fromage, c'est quelque chose qui nous rassemble. Enfin, si c'est pas issu de l'exploitation animale, hein. Parce que si c'est du lait de chèvre, de vache ou de brebis, c'est miette, hein. De toute façon c'est simple, pour moi, l'aigle elle meurt. Wow. Chacun mange son fromage, sa charcuterie comme il le veut. Et on change de sujet, ok? D'ailleurs, Marc, c'en est où ton projet de création de boîte? Mais c'est vrai, Marc, t'as créé une boîte? C'est dans quoi? Mais je t'en ai parlé, chérie. C'est dans la consigne, dans la vente à emporter, ça réduit les déchets, c'est super. Bon, les amis, excusez-moi, on peut pas parler d'un truc un peu plus cool, s'il vous plaît? On parle du taf de Marc, là. Non, mais de toute façon, j'ai bien compris, hein. Dès qu'on parle de la planète, je vois qu'on dérange. Alors attends, arrête de faire ton sein, s'il te plaît, bête. Parce que t'es comme tout le monde, hein. Quand tu vas aux toilettes, tu tires la chasse, tu pollues. C'est vrai, ça. C'est comme les bœufs avec leur lâchement de CO2 et tout. Non, faut que t'arrêtes deux secondes, hein, sans déconner. D'accord, tu veux en venir où? Je sais pas. Il y a environ 7 ans, quand tu venais à la maison, quand on faisait les barbecues. Ah! Tu tapais bien dans la barbaque, non? Bah, c'était avant. Ah ouais, bah, tu sais quoi, t'as changé. Toi, t'as pas changé. Bah, tu sais quoi? Regarde. Le petit morceau de frometon, là, avec le petit morceau de sauce, eh bah, c'est pour Bibi. Tu me dégoûtes. Comment ça, je te dégoûte? Alors, excuse-moi déjà, pour commencer, ça, c'est ma machine à moi, d'accord? Alors, si j'ai envie de me faire cuire la moitié d'une vache là-dessus, je fais ce que je veux, ok? Bon, stop, Damien, c'est bon, là. Eh oh, Delphine! On en parle de ce qu'on a fait là, samedi dernier? Quoi, samedi dernier? Bah, tu sais très bien de quoi je parle? Non. Bah, si, tu vois très bien de quoi je parle. Non, tu vois pas? Bah, le McDo qu'on s'est tapé, ça, tu l'as pas dit? C'est quoi cette histoire? Je voulais t'en parler, mais j'avais peur que tu le prennes mal. Mais attends. Pierre, t'as pris du plaisir? Arrête. Arrête, Baptiste. Non, je te demande de répondre à ma question. Tu me réponds par oui ou non, est-ce que t'as pris du plaisir? Et c'est bon, j'étais bourrée. Je te jure que ça se reproduira plus, pardon. Ok. Oh, je me sens pas très bien, là. Hé, hey, Delphine. Un petit peu de mortadelle? Bon, stop, Damien, c'est bon, là. Ok. Moi, ce que je propose, c'est que vous fassiez chacun un pas les uns vers les autres. Ok? Moi, je veux bien. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Regarde. Bah, je vais prendre une petite tranche de ton fromage végan. D'accord. Hop, je me la fais cuire. Et en échange, toi, pour me faire plaisir, tu... Un petit bout de grison? Allez, viens, on se casse. Ouais, c'est bon. Oh, bah. Attends, mais tu vois bien qu'on peut pas discuter avec eux, c'est pas possible, quoi. Oui, on peut pas discuter avec nous, putain, on mange pas de viande, c'est pas compliqué à comprendre, non? Putain, c'est pas vrai, quoi. Et imagine, t'es sur une île déserte, d'accord? Y a pas un radis, pas un légume, et t'es avec un bœuf. Alors tu fais quoi? Tu le bouffes ou tu préfères crever? Ah, mais tu fais quoi? D'accord, on peut pas parler, en fait. Bah, réponds. T'es lourd. Et voilà, vainqueur par KO. C'est franchement chiant. On peut jamais passer un repas sans que vous vous engueuliez. Bah, surtout qu'on on s'est pas offert les petits cadeaux, hein. Bah moi j'en ai rien à branler. Baptiste. Delphine, ce que je te propose, c'est que tu offres ton cadeau à Ludo. S'il te plaît. Joyeux Noël, Ludo. Ah, c'est pour moi? Bah merci. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, bah j'avais pas celui-là, merci. Merci Delphine, ça me touche.
Très bien. Ludovic, veux-tu procéder avec Delphine? Oui. On n'est pas obligé, enfin... Si. C'est du jambon? C'est du jambon? Non. Non, non, c'est pas... Enfin, oui et non. C'est-à-dire? Bah, techniquement, c'est du chorizo, c'est pas vraiment du jambon, c'est pas le même goût. C'est pas la même partie. Allez, super, mais bien, super, super, c'est bien, allez. Non, 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 bouge pas. Moi aussi, je t'avais tiré au sort. Quoi? Je t'ai prévu un petit cadeau. Ah, bah vas-y, donne-moi ton entrecôte à la relaise, et puis après, on dégage. Allez, tiens, joyeux Noël. Ah, merci, super. Ah, voilà. Tu vas pas me dire que tu kiffes ce cadeau de beauf, là? Non. Si, si, regarde-le, il kiffe, hein. Tu kiffes, tu là, kiffes. Là, tu kiffes, mon salaud. Mais oui, ça se voit que tu kiffes, ça se voit dans tes yeux, là. Ah, super pour l'image de la femme, hein. Ah, voilà, dessin, puis vous êtes content, là, comme des cons. Oui, 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 bah oui, j'aime bien, oui, c'est beau, non? Là, je te retrouve, mon bête. Tu vois, t'aimes ça, la bonne viande? J'aime la viande. Bon, bah, vous voyez, c'était pas si mal, hein. Bon, on fait quoi pour le réveillon? Non, c'était une bonne soirée de merde, quand même. Ouais, c'est vrai. Pourquoi on est potes, en fait? Qui a fait ça? Oh, c'est vraiment celui qui a grandi de moi qui en fait le plus là. C'est vrai ça, dis donc Ludo, on t'entend plus trop depuis que t'as dégazé. Mais j'ai pas dégazé, Bat, c'est très bien que je dégage jamais en public, arrête là. Non, non mais attendez, attendez, bon, je vais servir du vin, ouais, et puis de toute façon on a qu'à dire que c'est Ludo, et puis voilà. Mais c'est non, tout. C'est pas moi. Moi aussi je pense que c'est Ludo. Mais arrêtez putain, c'est pas moi. Bon allez, on va pas épiloguer, c'est moi qui ai pété, comme ça tout le monde est content, et on continue la soirée. Et bah voilà. Non, 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 non. Tu dis que c'est toi parce que c'est toi qui as pété ou tu veux changer de sujet là? À ton avis, Bat. Ah bah non, dans ces cas-là, c'est moi qui ai pété. Parce que c'est toi qui a pété. À ton avis. Excuse-moi, hein, je te le dis franchement, tu prends pas mal, mais t'as vraiment le visage de quelqu'un qui vient de péter, quoi. C'est, voilà. Mais bébé, t'as jamais pété comme ça? C'est bon, arrête de le défendre, il a avoué. Mais c'est Mehdi, il a avoué avant là! Bon, les amis, je sais ce qu'on va faire. Qui vote pour Bat? Moi. Bon bah, Baptiste, je crois que c'est clair, hein. Non, bah allez. Les gars, c'est moi, en fait. Quoi? C'est moi qui ai pété. Tu vas pas prendre ma place, là? C'est moi qui ai pété. Marc! Et alors? Qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, évidemment, c'est moi. Celui qui dit rien, qui la ferme, qui écoute. Hein? Mais à un moment, faut que ça sorte! Ouais, tu veux que je te dise, je suis un peu content que tu t'exprimes ce soir, Marc. Mais ta gueule, toi, t'es pas mon pote! Hein? T'étais où quand j'étais au fond du trou? Qui était là quand j'étais dans la merde? Ça te fait marrer, Ludo? Non, c'est pas ça, mais c'est parce qu'on parle de paix, et tu dis au fond du trou, la merde, je trouve ça très rigolo, en fait. C'est vrai que là, c'est drôle, poulet, quand même. Mais moi, ça me fait pas marrer! Putain, mais prenez-moi au sérieux, bordel! Excuse-moi, Marc. Oh non. Qui a pété? C'est moi. Alors les gars, ça gaze? Père Noël! Non, Père Noël.